l'association de quartier Les Amis de Ferdinand. Donc nous existons depuis 4 ans. Voilà, c'est notre quatrième fête de quartier. Et en fait, initialement, nous étions une association de parents d'élèves. Donc en 2003, on se monte en association de parents. Et puis on fait la première année, 2004, notre vide-grenier, le dimanche, sur la place Ferdinand-Buisson. C'était très sympa, ça allait toujours. Cette année, ça sera donc le 8e vide-grenier. Et puis donc, ça prenait de l'ampleur, cette fête, au niveau du groupe associatif aussi. En même temps, il y avait pas mal de parents qui partaient de l'école. Et qui étaient un peu peinés, du coup, ne se sentaient pas bien à leur place dans une association de parents. Pas mal de gens aussi étaient très intéressés, parce qu'ils trouvaient que c'était très bien cette fête-là. C'est vrai qu'il ne se passait rien, et tout d'un coup, il y avait quelque chose. Finalement, au bout du compte, on a monté une association de quartier en 2008, qu'on a intitulée Les Amis de Ferdinand. Et puis, on a cette année, par exemple, on a 93 adhérents. Voilà. On voit qu'au niveau des adhésions, ça monte. Très satisfaite, moi, en tant que présidente d'association. Ce qui est prévu, c'est de refaire cette place, donc la place Ferdinand-Buisson, à partir de cet été. Donc on va faire une partie qui restera en parking et l'autre qui sera une véritable place pour que les habitants puissent s'en saisir, en faire une véritable place pour créer du lien. Dernière édition de cette manifestation sur la place en l'état, puisque l'année prochaine nous aurons donc une nouvelle place avec des mobiliers urbains différents, etc., mais qui sera complètement refaite et qui a été pensée en concertation justement avec les amis de Ferdinand pour cette fête. Suite au thème de la fête là, du quartier de Tardy, avec les amis de Ferdinand, donc le thème était ruban et passementerie. Donc j'ai proposé de monter une exposition qui relate un peu le métier de passementier. Et donc il y avait trois thèmes. Le thème avec des panneaux qui expliquent l'élaboration des matières textiles. Ensuite, l'évolution du matériel sur lequel on travaille. Voilà. Après, j'avais un collègue qui a fait un petit métier à tisser, miniature, qui fonctionne parfaitement, et qui a prêté gentiment ce métier, donc qui est exposé à l'amicale Tardy. Et il l'a amélioré au fil du temps. Donc, il nous a prêté ce métier à tisser, où il y a tous les organes d'un métier jacquard. Tout est reproduit à la perfection dans les moindres détails. Le menu tissé, c'était des produits textiles qui se faisaient bien à une époque et ils étaient faits pour des repas de famille, mariage, baptême, pour des congrès d'une association ou d'une société quelconque. Nous avons trois albums où les passementiers avaient l'habitude de coller dessus les premiers bouts qu'on appelle pour leur fabrication. Vous avez une série de rubans avec le nom des bateaux militaires et qui ornaient les casquettes des marins. Donc on appelle ça les bandes marines. Un petit peu modifié, c'est des rubans plus modernes, entre guillemets. Alors ici, c'est de la passementerie par contre.